Dis donc, c'est vraiment un gros réacteur, hein. C'est vraiment une pile d'uracelles, hein. Mais par contre là, on va comme explorer les autres portes vu qu'on a comme atteint la moitié du truc. Et c'est tout le monde ici, LegoScraft qui est là pour mettre de bonne humeur. On sera là pour un épisode donc sur Half-Life. Donc là, normalement, si je dis pas de conneries, normalement, oui. L'épisode précédent, on a fait entre le 4, le 5, il nous faut c'est le 6. Du coup, hop, alors attends. Alors si je dis pas de conneries, normalement on a fait le... Alors c'est quoi alors le 6? Voilà, on évite de tomber. Hop là! C'était quoi ça? Ok, donc le 6 il fait retomber par là. Attends, Ah merde, ok, tu peux pas faire un changement rapide. Ok, donc là on est carrément obligé de tout remonter. Est-ce que c'est moi en fait le 6? C'est juste que tu fais une sorte de tombage à l'infini. Attends, on va recommencer. Je suis de retour là. Bon, alors voyons voir. Non mais c'est quoi vraiment en fait le 6? Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose. Attends, le 6. Ah non. Ok. Ok, très bien. Donc en fait le 6 là c'est juste par les zones d'irradiation. C'est juste là tu tombes à l'infini. Et en plus tu te fais irradier comme un énorme con. Ok. Bon, au moins on a pu visiter quelque chose. Alors attends, on se met bien en place. Et hop là. Ok, donc c'est ça le 6. Donc ok, donc on va pas y retourner vu que là il y a risque de fort probable que tu meurs. Alors c'est quoi normalement le 4? Juste le 4. Alors le 4 il est là. Ok, le 4 c'est ce qui mène à là. Le 4 c'est ce qui mène à là. Ok. Alors attends, si on a fait donc le 4 et le 5. Aïe. Ouch. Ok, donc là si on a fait donc le 4 et le... Non, on a fait le 4 et le 6. Donc c'est quoi alors le 5? Allez, le 5. Ah, ça ramène tout là. Alors ok. Ok, 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 d'accord. Alors donc, si je récapitule, en fait, c'est... Merde, j'ai pas pris la trousse de soins. Et bon, ok, bon, je suis obligé de me rattraper tout là-haut. Bon, on est revenu ici, et bah, au final, c'est... On a fait un peu le tour, mais après, c'est carrément des enfants, j'ai déjà exploré. C'est juste que la suite, ça se trouve par là. Alors, attends. On a le 9, le 7 et le 8. Et on a une barrière qui se trouve là. Mais d'abord, attends une minute. Donc déjà, si on a fait ça et ça... Donc en gros, c'est quoi alors le... C'est quoi alors le 7? Ah ok, donc le 7 c'était la bonne porte. Est-ce que je peux faire quand même retour arrière? Non. Oh mon dieu, non. Oh et putain, en plus je me retrouve ici. Bon, très bien, ok. Donc là, on a littéralement pas le choix. Non mais attends, quand même, j'ai bien dit, quand même. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est on va recharger notre partie pour recommencer. Puis ensuite, voilà. Du coup là, si je fais ça, on fait charger, carte mémoire 1, ça, oui, et voilà. Donc ok, donc j'ai fait en fait, c'est le 6 et le 4. Oui, donc on les a refait. Et alors, il y a quand même un truc que j'ai quand même envie de revoir, c'est quand même le 6. Oui, parce que quand même quoi, c'est on a exploré le truc, mais pas assez. Ok, aïe, aïe. Ok, c'est radiation. Ça, c'est exploré. Du coup, donc, si le 7, c'est donc la bonne porte, c'est quoi alors le 8 et le 9? C'est clair, c'est une question qui pourrait se poser, la grande question. Mais bon, en tout cas, ces portes, elles sont vraiment mais efficaces, rien à dire. Alors, attends, le 4. Attends, on a fait le 5, donc en fait, la porte, c'est bien le 4. C'est bien le 4. Il arrive des fois que j'ai une mémoire de poisson rouge. Hop là. Alors attends. Regarde par là. Attention. Tu traverses. Alors donc on a fait donc le 7. Alors c'est quoi alors le 8? Les. Et hop. Le 8. Ok. Alors recharge. Ok, il y a ça, je prends. Okay. Hop, une créature qui est morte. Enfin, un alien. Ok, porte verrouillée. Donc ça, c'est celle auquel je suis réapparu. Alors, attends. Juste les derniers. Alors, ok, très bien.
D'accord. Donc, ok, donc ici, ça ramène un peu donc à une zone qui en soi, par contre, est un peu un piège. Mais par contre, tu finis, ben, crevé au final. Ouais, c'est bon, allez. On repart, et donc on revient donc sur l'autre zone. Et ben, on est reparti pour remonter et voir dans ce qu'il y a de caché donc dans le 9. Le 9. C'est bon, je suis de retour. Alors, si le 7, donc, c'est la bonne porte, c'est quoi alors le... On a fait le 8. Ben, alors, c'est quoi le 9? Le 9. Et... Let's go! Aïe, oui, aïe, aïe, aïe! Ouch, ça m'a fait mal, là! Ouch. Et... attends une minute, tout de moins, attends. Attends, y a un truc que je comprends pas. Tu veux dire que si tu passes le 9, tu finis grillé? Mais alors, c'est un piège! Non, attends, je vais avoir quand même le cœur net. Oui, le cœur net. Attends, t'es vraiment sûr que le 9 là, c'est vraiment si tu te fais vraiment mes schmiblick? Oui, schmiblick. Ouais, en gros, si vous voulez, le schmiblick. Littéralement, tu te fais poutrer la gueule. Attention, il est où? Ah non, c'est pas le sac, c'est le 4! Ow. Oh bravo, et en plus là. Alors attends, on va bien se mettre là. Voilà, non, je respawn là parce que là, c'est totalement con d'avoir fait ça. Alors attends. Et. Non, c'est pas le 5 qu'il faut faire, c'est le 4. Le 4, abruti. Du coup, hop, on passe par là. Enfin, en baissant. Ensuite, hop là. On attend. Voilà. Mais, oh, c'est ça le 9. Mais à quoi ça? Vraiment, j'ai une manière à glisser, hein. C'est de la savonnette. C'est de la patinoire, le truc. Bon, je suis de retour là. Non, mais sérieusement, c'est quoi le 9? Il te fait vraiment ça? Aïe, oui. Ah, ok, il te retire vraiment. Enfin, il te retire carrément la bonne moitié. Ok, donc littéralement, le 9, c'est la mauvaise porte. Donc, en fait, la bonne réponse, c'était la 7. Oui, la porte numéro 7, c'est celle qui te mène donc à la suite du jeu. Donc allez, hop. Donc déjà on fait le 4. Alors on attend que tout se passe bien. Hop. Et on prend le 7 qui est celle-ci. Non. Ow. Et... Voilà, je préfère mieux me suicider plutôt que te recommencer. Vu que bien sûr là, je peux pas faire chargement rapide. Et oui, tu es busy, Billy. C'est bon, j'y suis enfin. Allez, donc voyons voir. Le 7 est... Ouh la vache, là, je peux faire vraiment un gris screen avec. Hein. Sauf que là, c'est un peu... Ça fait bobo. Alors, ok. Donc là, c'est la suite. Du coup, on fait un enregistrement. Un checkpoint, surtout. Voilà, alors. Donc, voyons voir comment ça marche, le truc. Alors, des plateformes. Tu as une grille qui descend et qui monte. Tu as des trucs radioactifs et... Je sens qu'on va beaucoup entre monter et descendre. Du coup, on fait ça. Ensuite, on monte sur un des trucs. On se maintient. On tourne. Si la suite, elle est par là. Donc, ça veut dire qu'il faut carrément aller par là. Alors, attends. Tu as le 2. Bon, ok. Donc là, donc ça va être donc la source d'énergie qui se trouve par là. Alors, ok, donc déjà. Plateforme. Ah non! Ok, donc interdiction de tomber sur les kits verts, sinon tu finis vraiment mais fondu. Tu finis dans la baisse, Billy. Doucement, doudou. Ok, là donc, on va longer. Mais du coup, si le truc est par là, il faudra carrément mais courir. Alors attends, tu lèves bien. Oh là là. Et voilà. Alors, quand même. Enregistrement, tac, boum. Allez. Le bouton. Et quoi? C'est tout? Donc quoi? Juste appuyer sur un seul bouton et ça a ouvert ça? La suite. Ah, et là c'est où j'étais. Donc en fait, faudrait carrément mais retourner par là, c'est ça? Ok, très bien. Alors attends, on va d'abord que ça, ça descend pour ensuite repartir par là. Et voilà. Attention. On peut y aller doucement. Non. Je... Ah non, mais littéralement, si tu touches les kits verts là, c'est tu meurs direct. Hein. Attends, on allume ça. Voilà. Ensuite,
On va littéralement remonter dessus. Voilà, alors doucement. Doudou. Voilà. Et voilà, on glisse. Il faudra vraiment aller donc sur la numéro 2. Allez, traverse-toi là. Hop là. Numéro 2. On fait toujours un enregistrement. Parce que vraiment, j'ai l'impression que le jeu, c'est le Dark Souls avant l'heure. Parce que la moindre erreur que tu fais, tu repars tout au début. Et si tu ne pas un checkpoint, eh ben, tu es baisé. Alors, ok. Donc là, on a fait le 1 et le 2. Mais du coup, c'est quoi alors le 3? Mon tout douce. Mon. J'ai bien fait de faire au coup un checkpoint. Je disais donc. Non. Ok. On recommence encore. Non mais franchement, tu sens vraiment, c'est le dernier retrain des années 2000, hein. Bien sûr, des années 90. Alors attends, donc là on a fait la 1, là on a fait la 2, mais sauf que là, vu que la porte ici, elle est un peu entrouverte, est-ce que je peux essayer de me faufiler? Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Alors, enregistrement, tac, hop, et pénétration. Ok, un chargement. Danger ou hangar de maintenance des matériaux radioactifs. Échange d'énergie détecté. Ok. Je vois, c'est pas. Tu sens la suite qui est par là et que je me dis que si je prends ça, c'est pour redescendre, c'est ça? Alors, ok. Alors déjà, on referme la porte directement. Là, on fait un enregistrement, un petit checkpoint. Tac. Et ben, vu que je sens gros comme une maison la puterie, on va prendre ça. On y va. Ok, là c'est une nouvelle zone. Qui se charge? C'est parti mon kiki. Ok, barricadage par là. Une échelle pour monter. Alors déjà, à moi ça. Merci beaucoup. Alors, on monte. Oula, ça tremble, hein. Ah, le logo Half-Life est ici. T'as les caisses. Ah, ils sont là. Ok, très bien, alors attends. Alors voyons voir déjà. Montons sur ces caisses et voyons voir si... Non, ça marche pas du tout. Alors attends. Gordon Freeman, vous nous avez enfin trouvé. Alors voilà le bonhomme. Eh ben, on n'y croyait plus. Vous êtes dans un dépôt de ravitaillement. C'est ici qu'ont été rassemblés les spécimens capturés dans le monde frontière. Du moins jusqu'à ce que le groupe de reconnaissance se fasse lui-même capturer. Nous pensons qu'il y a là-bas un immense portail transdimensionnel gardé par une entité extrêmement puissante. Vous vous en rendrez vite compte. Ça m'ennuie de vous dire ça, Gordon, mais vous devez absolument la tuer, si c'est possible. Ouais, butez-la! Ok, donc si je récapitule... Bien entendu, rien ne vous y oblige, Monsieur Freeman. Mais vous êtes parvenu jusqu'ici, vous en savez plus que n'importe qui sur ces créatures. En tout cas, vous en savez autant que nous. Si vous n'éliminez pas cette menace, vous n'aurez nulle part où aller. Oui, alors, si vous êtes d'accord, mon collègue vous attend au poste de contrôle du portail principal. Il ouvrira le passage pour vous, Monsieur Freeman. Faites vite. N'oubliez pas de vous équiper. Je vous couvrirai jusqu'à ce que le portail soit ouvert. Oui, et donc, si je récapitule... Donc, en gros, si je récapitule, donc en gros, carrément, c'est la merde à ce total. Il y a un portail, il faut carrément aller buter, et voilà. Mais d'abord, ravitaillement... Bah non, je suis carrément bien rempli. Et je remets que c'est tout bon. Donc, du coup... Oh là là, il y a la blindasse, hein. Non mais alors là, c'est on se refait bien. Alors attends, on va bien tout récolter. Ok, j'ai réussi à sautiller. Alors attends, on va bien tout récolter. Voilà. Voilà. Alors attends, quand même. Ma créature, les bombes, des sacs de bombes, des grenades, des fléchettes. Voilà. Alors là, je suis étonnant, mais équipé à fond, hein.
Ouais, j'aurais dû faire ça avant. Ça, c'est bon. Une recharge encore. Et voilà, tout est paré. Alors, attends. Refais un autre chargement encore. Voilà. Alors, attends. Tac, tac, tac. Voilà. Et normalement, ben... Ok, tout est complet. Et du coup, c'est... Ok, donc c'est par là. Alors, ok, très bien. Du coup, on fait... Hop, un enregistrement. Tac. Et voilà. Mais du coup, là, c'est que si... Ici, c'est donc le final. Ben, je crois qu'on va plutôt faire s'arrêter là. Oui, littéralement, ça va être vraiment un épisode assez court sur Half-Life. Ben, du coup, c'est tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu cliques la cloche, et tu t'abonnes, et Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, et bien sûr, tu commentes. Du coup, là, littéralement, ben, là, on est bien ravitaillé, on est bien rempli. Ben, littéralement, c'est... on va pouvoir enfin aller voir qui se cache derrière tout ça, et enfin buter tout ce reste. Mais bon, en tout cas, là, littéralement, c'est... Vu le nombre de missions qu'il a, on peut dire qu'on est bien rempli, et je crois que c'est tout le monde. Bon, attends, t'as une dernière truc à dire? Ouais, on s'en sortira mieux si on reste ensemble. Accès refusé. Ok, je vais bien compris, au pas de course. Est-ce que tu pourrais activer ça? Accès refusé. Non, très bien. Bon, ok, je me dis que si je prends ça, littéralement, ça déclenche le truc. Bon, allez, moi j'ai une chose. C'est tchuss! Je sens qu'on va bien se marier. Qu'est-ce qu'on dit, mon poulet, hein? Bon, ok, il répond même pas. Et toi, le scientifique? Bon, ok, il répond que dalle. Allez, on s'arrête là.